Putain, Adrien, tu fais chier. Je t'avais dit d'aller fumer dehors. Je sais bien que Jeannette n'est pas là, mais quand même. Là. Là. Bon, alors, qu'est-ce qui amène mon meilleur copain un mardi soir, chez moi? J'avais besoin de boire un bon whisky en fumant une cigarette. Histoire d'oublier cette foutue enquête. Je t'ai dit que tu peux pas fumer à l'intérieur. C'est interdit comme partout aujourd'hui. Putain de loi anti-tabac. Putain de travaux, ils arrêtent jamais ces cons-là. Bon alors, c'est quoi cette affaire-là qui te met en rogne? Non, secret défense, Jérémy. Secret défense. Bon, puisque t'insistes. Il y a 10 jours, j'ai été mis sur une affaire de crime. Le meurtre d'une femme dont je tairai le nom. Si tu vois la chose. 10 janvier, 22h, je reçois un appel. Chez toi ou au poste? Chez moi. Adrien Durand, c'est à quel sujet? Un meurtre, vous dites? Très bien, je serai là dans 1 heure. Donc si je te suis bien, 1 heure plus tard, tu arrives sur le lieu du crime. Affirmatif. J'y étais en 53 minutes pour être précis. Smith. Ah, Durand. Réglé comme une horloge. Où est le corps? Sous vos pieds, l'ami. Oh. Oh. L'humain est définitivement mauvais. Eh oui. Vous avez des pistes, des indices? Ça va vous surprendre. On a trouvé des papiers d'identité au nom de Philippe Grosjean, bien connu des services. Bon, tenez-moi cette cigarette, là. C'est mauvais pour vous. Punaise. À ce moment, j'aurais dû comprendre qu'il y avait un problème. Eh ben, moi, je comprends pas. Un si gros indice, c'est une très bonne chose, non? À moins que ce soit cette histoire de cigarette qui te dérange. Toi, ça se voit que t'es pas flic. C'est trop gros, c'est louche. Et pour la cigarette, m'en parle pas. Bah, si tu le dis. Bon. Et ensuite, je suppose que ça ne s'arrête pas là. Bah, évidemment que non, triple buse. Le lendemain, on met le grappin sur le type. Difficile à trouver? Mais même pas, il était chez lui, pépère. Ah, bah, c'est positif, non? Attends la suite. L'interrogatoire complique tout. Il a pas lâché un mot? C'est bien pire que ça. T'aurais une chaise et une table? Hein? Oh. Bon. Écoute, gamin. J'aime pas trop perdre mon temps. Donc si t'as pas envie que je m'énerve, tu passes à table. J'en ai rien à foutre. Et si tu crois que tu me fais peur? C'est dommage. Plus vite tu parles, plus le juge sera compréhensif. Ah oui? C'est vrai? Alors, vu comme ça... Bon, je l'ai pas tué, Sandra Morin. J'étais sur les lieux, d'accord? Mais c'était un cambriolage qui a mal tourné, quoi. Non, jusque-là, tu m'apprends rien, ok? Le cambriolage a déjà été déduit par nos experts, moi je veux des noms! Ah, écoute, le poulet, t'en sauras pas plus! T'en vas pas la tête, non? Vous êtes malade ou quoi? Je vais tout vous dire! C'est Paul Flantier qui l'a tué. Je vais vous donner son adresse. Ça va, vous êtes content maintenant? Tu as deux doigts de coincer ton coupable. Mais t'es définitivement à la ramasse? C'est pas normal de passer à table après la première baffe.
D'habitude, c'est minimum 4. Bah, je sais pas si c'est parce que j'ai pas ton expertise, mais je vois pas trop où est le problème, hein. Mais tu peux me détacher maintenant, s'il te plaît? Oh. Tu sais, pour atteindre mon niveau, c'est des années d'expérience. Je t'en tiens par la garde. Ah, tu es si bon, mon ami. Malgré mes savoirs lacunaires, j'en déduis que tu te rends chez ce Flantier. Parfaitement. Bien, Jérémy. Bien. Oh, Molo, là. Tu sais combien il coûte, ce whisky? Peu importe. Attends, parce que c'est là que ça devient intéressant. Échauffe-toi, ça va être physique. Ah. Il faisait noir. J'attendais en bas de chez lui. La lumière des réverbères était masquée par un brouillard épais. Je toque à la porte. Et après plusieurs sommations, je l'enfonce. La page venait de prendre la fuite par la fenêtre. S'ensuit une course-poursuite entre lui et moi. Le loupard court vite. Je me décide finalement à sortir mon flingue et... Hop, papa ! Minute, papillon ! Mais qu'est-ce que tu fais, nom de nom ? On commence enfin à s'amuser ! Enfin, Adrien, ne me prends pas pour un imbécile ! Avec ta patte folle, tu peux pas monter 3 marches. Alors je te vois pas faire une course-poursuite. Et puis quoi ? Des coups de feu, en plein Paris ? Sans sommation ? Les journaux en auraient parlé. Allez, dis-moi plutôt comment ça s'est réellement passé. Je me rends chez lui. Il n'y a pas de brouillard. À la porte. Il vient m'ouvrir et dès que j'ai présenté ma carte de police, il se rend. Affaire bouclée ? Affaire bouclée. Dossier clos. On n'en parle plus. C'est vrai que ça aurait été plus chouette avec une course-poursuite. Ou une baston. À qui le dis-tu ? Aujourd'hui, les criminels font plus aucun effort. Tout nous semble droit dans le bec. C'est trop facile. Quelle époque ? T'as même pas utilisé ton flingue ? Même pas une fois. Tu penseras à me rendre mon impair, hein? Je sens que ça va mouiller cette semaine. Et est-ce qu'au moins, en échange, je pourrais me griller une bonne vieille Goldo? Non. Toujours pas, l'ami. Non. Sale affaire.